Le thème de Parasite Eve est tout simplement sublime. Je n'ai que ce mot à dire, sublime. Il me reste en tête même après avoir fini le jeu. Pour moi, c'est une OST réussie. La qualité de la cinématique d'introduction, c'est bien sûr de l'image de synthèse, réalisée à partir des cinématiques du jeu, de très bonne facture. Pour moi, cette cinématique, c'est juste une de mes cinématiques favoris de la PlayStation. Voilà, j'en ai vu beaucoup quand même si je n'ai pas joué à énormément de jeux PlayStation. Mais c'était mon ressenti, voilà. Une cinématique qui ne me laisse pas de marbre. Salut à toutes et à tous, c'est Dark Chris. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de Parasite Eve, sorti sur PlayStation en 1998, seulement au Japon et aux États-Unis, ce qui implique forcément que cette version que je vais vous présenter est un hack par Monsieur Pixel et traduit par un certain Torakami, donc dans sa version française, traduction que je trouve irréprochable. Je n'ai repéré qu'une seule faute de français, et encore, c'est juste une faute d'accord, de rien du tout. Franchement, comparé à la traduction de Final Fantasy VII, Parasite Eve, c'est tout simplement du caviar. Voilà. Donc, Parasite Eve, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour vous le présenter, rien de mieux qu'une nouvelle partie. Et oui. Alors, Parasite Eve, ça a été créé par qui? Bah, par les gars de Squaresoft. Alors, est-il nécessaire de présenter ce qui est encore... Enfin, qui sont les employés, les... Comment on peut dire ça? Ouais, plutôt les gars de Squaresoft, voilà. Qui est ce studio? Bah, le best au niveau des RPG, c'est tout. Voilà, Squaresoft. Attention, je parle pas de Square Enix, hein, il y en a encore qui confondent. Squaresoft, c'est avant la fusion avec Enix. Ça, c'était deux studios différents. Et en 1998, ils nous sortent donc Parasite Eve, qui n'est jamais sorti sur le territoire français, hein. Et je cite Wikipédia parce que c'est assez drôle, hein. Non, non, je tire pas toutes mes informations de Wikipédia, j'ai juste voulu me renseigner un petit peu. Et je sors cette phrase. Parasite Eve est un jeu vidéo d'action-aventure horrifique qui intègre des ingrédients de RPG. Oui, parce qu'il s'agit d'un survival horror RPG, comme il est catalogué sur de nombreux sites. Alors, survival horror. Oui. Oui, mais non. Parce que bon, quand on nous dit que c'est un jeu vidéo d'aventure horrifique qui intègre des ingrédients de RPG, des ingrédients de RPG pour Squaresoft, qui sont les maîtres du RPG à l'époque, déjà ça commence mal. En tout cas pour celui qui a rédigé cet article sur Wikipédia, si tu m'entends, t'aurais quand même pu mettre un peu plus l'accent sur le côté RPG, puisque c'est vraiment ça qui est mis en avant. Alors, on va tout de suite attaquer par le scénario, vu que pour moi je le considère plus comme étant un RPG. Le scénario étant bien sûr la clé de voûte du RPG traditionnel, en tout cas nippon. Donc, ah mais c'est merveilleux, regardez-moi ce timing de ouf. Nous incarnons Aya Brea, de son nom de base, hein, on peut bien sûr le modifier comme dans tout bon RPG de Squaresoft. Bon, même si je trouve que Aya, franchement, c'est un très bon prénom pour cette jeune donzelle de 25 ans. Qui est inspecteur de police. Alors il faut savoir que c'est un RPG qui est tout ce qu'il y a de plus. Alors c'est un RPG Jap et qui se situe à Manhattan. Donc, pour le coup, inspecteur de police, il va y avoir évidemment bon nombre de références aux États-Unis, voilà, avec l'inspecteur de police, le commissariat. On va même retrouver des endroits tels que Chinatown, ou alors. Ouais, vous l'avez bien vu dans la cinématique. D'introduction, la Statue de la Liberté. Voilà, ça se passe pas au Japon pour une fois ou dans un pays imaginaire ou je sais pas quoi, ça se veut réaliste. Voilà, c'est dans un contexte tout ce qu'il y a de plus réaliste puisque nous sommes aux États-Unis. Donc, les États-Unis qu'on connaît, hein, pas un monde parallèle, il faut pas commencer à croire que ça peut tourner genre à la Secret of Evermore ou quelque chose comme ça. Et nous sommes la veille de Noël. Donc nous avons notre rencard avec avec un prétendant, je sais pas, on peut appeler ça un mec super lourd, super casse-pied. Et on se rend donc pour la veille de Noël à l'opéra, puisqu'il y a une scène un peu particulière qui va être jouée, apparemment une scène assez représentée, et c'est en compagnie de notre cher
chère Blondine, que nous allons assister à la scène. Alors, tout de suite, on voit que... La classe, alors attendez, je vais peut-être choisir une autre séquence, un autre plan, pour vous montrer que Aya Brea a vraiment une classe ouais, assez prononcée. Bon là encore, elle a son impair, mais vous allez voir que un peu plus loin dans l'aventure, elle va avoir sa tenue de soirée. Et là, tout de suite, une blonde en tenue de soirée dès le début du jeu, c'est un truc de fou. Alors, pour mettre un peu plus en place le scénario, on va assister à la séquence suivante, donc la pièce d'opéra en elle-même, sachant que je vais un peu devancer la cinématique pour pas non plus faire alors vous voyez qu'il se passe ça, enfin vous voyez le truc. La veille de Noël, que se passe-t-il? Évidemment, élément perturbateur, boum! Il va se passer alors non pas un massacre, mais plutôt un incident, puisque pendant que cette pièce de théâtre va se dérouler, eh bien le public va, comme qui dirait, s'enflammer. Je sais pas si vous connaissez la combustion spontanée, j'ai vu ça dans des trucs... c'était dans quoi? La soirée de l'étrange avec De Chavannes, enfin c'est un peu... Bon, il y en a qui aiment ou qui aiment pas. En tout cas, c'est le principe qui... Comment vous expliquer ça pour ceux qui connaissent pas? C'est tout simplement le corps qui, pour une raison quelconque, se met à s'enflammer. Et puis voilà, à la fin, on retrouve quoi? Au lieu d'avoir notre... Au lieu de retrouver sa femme après le boulot, on la retrouve calcinée. Voilà, ça c'était pour la petite info. Donc cet incident va avoir lieu à cause d'une seule personne, la jeune demoiselle que vous voyez avec la robe rouge. Ce n'est pas qu'une simple comédienne, il s'agit de l'ennemi public numéro 1 de Manhattan, suite à cet incident, mais aussi le boss final du jeu. Oui, on voit tout de suite notre némésis, on voit tout de suite notre rival, on voit tout de suite notre ennemi juré dès les premières minutes de jeu, et ça c'est quelque chose que j'ai tenu à souligner tout particulièrement parce que c'est assez rare. D'habitude on nous met toujours une espèce de pantin, une espèce de d'ennemi qui nous fait croire que c'est le méchant alors qu'en fait il y en a un autre qui sort de je ne sais où, qui manipulait tout le monde, enfin voilà, c'est un peu à la manière des Final Fantasy. Je pense par exemple au 4 hein, avec Golbez. Et là non, on la voit direct. On la voit direct, là elle se met à chanter, et je vous laisse la cinématique pour vous montrer pourquoi Manhattan va justement aller la chercher. Regardez plutôt. L'opéra, ça devrait être plus souvent comme ça, hein, vous croyez pas? Ah non, mais franchement, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, dès les premières minutes de jeu, je me suis dit, waouh, waouh. Tout de suite, de l'action, tout de suite, on voit qui c'est qu'il faut abattre, tout de suite, on voit l'étendue de son pouvoir, et encore, c'est qu'une mise en bouche, un avant-goût. Là, tout de suite, c'est énorme. Sachant que le jeu ne manque pas forcément d'humour, voyez un peu plus la chose. Voilà, le petit ami ringard qui sert à rien. On l'a viré. Et tout de suite, la première séquence de combat et les premières critiques qui vont tomber. Parce que oui, j'ai été impressionné par les cinématiques du jeu. Franchement, pour moi, c'est un très bon point. Hein, sur ce coup-là, Squaresoft ne s'est pas loupé. Cependant, comme je vous l'ai dit au début du test, je bug sur l'appellation Survival Horror.
Parce que je me suis mis en tête que c'était un peu... Alors, je savais bien qu'il y avait des notions de RPG, que le combat serait plus axé sur le tour par tour, évidemment. Mais je m'attendais à ce que ça soit un mélange, voilà, entre un Final Fantasy et un Resident Evil. Evil, comme vous voulez. Resident Evil. Et j'ai été déçu. J'ai été déçu et bon, je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure. Là, premier combat avec donc l'actrice qui a enflammé tout le public, sachant que miraculeusement, alors je sais pas pourquoi le petit ami relou y a survécu. En tout cas, je sais que Aya, le personnage que l'on incarne, elle a pu résister pour une mystérieuse raison que l'on va connaître bien entendu au fur et à mesure de notre avancée. Et là, juste écoutez la bande son. Est énorme. Ce thème-là, ce thème-là, allez, je me tais parce que j'en peux plus. Il est vraiment énorme. Alors là, justement, elle est en train de nous, elle nous a fait quelque chose. L'actrice en question, elle nous a fait, elle nous a mis en surbrillance ou je ne sais quoi. Elle nous a simplement débloqué une nouvelle jauge. Donc vous avez vu. Bon, sachant que c'est du RPG, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. La barre bleue en haut à gauche, c'est la barre ATB hein, que vous connaissez, sachant que lorsqu'elle est remplie, on peut effectuer une action, que ce soit attaquer ou se soigner ou changer d'équipement ou des trucs comme ça. Les HP classiques, hein, à 0, on meurt. Et juste en dessous, c'est la barre que... Donc PE, pour moi, ça veut dire Parasite Eve. Bon, après, si vous avez une autre signification, dites-le-moi. Ça concerne tout ce qui est les... entre guillemets, de la magie, voilà. Si on peut appeler ça comme ça. En l'occurrence, ici, nous avons débloqué la première capacité du parasite, c'est-à-dire restaurer de la vie, donc 30 HP en l'occurrence. Putain, mais regardez-moi, franchement, la traduction française, c'est énorme. Matraque et tout. Ouais, ça a tout été traduit, c'est un truc de fou. Sachant que ensuite, pour attaquer, vu que c'est un inspecteur de police, elle possède une arme à feu. On peut se déplacer à la manière d'un action RPG, et à n'importe quel moment en appuyant sur la croix, hop, on peut figer l'action et on voit une espèce de sphère, non, demi-sphère. En tout cas, c'est une grille. C'est une grille, bon, c'est pas spécialement important, sachant que tout de même, il faut savoir que tout ennemi se trouvant à l'intérieur de cette espèce de... Ouais, de dôme, voilà, à l'intérieur de cette espèce de dôme, pourra être attaqué, sachant que si c'est en dehors, ça sera raté. Hein. Aya va la rater lamentablement avec son flingue. Et que plus on est près de l'ennemi, et plus on va infliger de dommages. Ça, c'est une règle très importante au niveau du gameplay. Regardez plutôt. Là, je vais attaquer. Voilà. Retenez bien 9 de dégâts. Je vais faire la même chose, mais en étant le plus loin possible d'elle. Sachant qu'il faut que ça rentre toujours dans le dôme. Donc, par exemple, ici, regardez la différence. 6. Voilà. À retenir, plus on s'approche de l'ennemi et plus on pourra infliger des dégâts, mais en contrepartie, plus près on est de lui et plus on risque d'encaisser des dommages. Voilà. Je vous laisse encore les dialogues, sachant que cet ennemi se nomme Eve. Voilà. C'est une actrice donc qui se prénommait autrefois Melissa, mais bon, je vous spoile pas trop puisqu'à la base, c'est vraiment le tout début du jeu. Elle a en quelque sorte été contaminée. Enfin, c'est pas une histoire de zombie à la non pas à la Parasite, mais à la Resident Evil. C'est plus une histoire de mitochondrie. Savez-vous ce qu'est les mitochondries? Si vous ne le savez pas, vous le saurez en jouant à ce jeu. Disons que c'est proche de tout ce qui est univers cellulaire. Vous voyez un peu. Comment vous expliquer ça? Parce que moi-même, j'ai pas tout compris au niveau du scénario. Pour ainsi dire, les mitochondries, c'est donc un organisme vivant s'alliant avec les noyaux des cellules. Donc, ces mitochondries servent en général à fournir de l'énergie avec un apport en oxygène. Enfin, si elles sont, comment dire, si elles sont suffisamment
oxygéné. Ah, ça, c'est un beau mot, ça. Oxygéné. Elle a bien joué, le Dark. Donc, si il y a un apport suffisant en oxygène. Et les noyaux, en contrepartie, je crois que ça leur apporte justement l'addite oxygène. J'en suis pas sûr, hein, faudra pas venir vous plaindre si j'ai pas révisé mon SVT, mais c'est juste pour vous expliquer que grosso modo, les mitochondries donc de la fameuse Mélissa, qui était donc l'actrice de cet opéra, eh bien elles sont un peu particulières et font d'elles que. Enfin, ça fait que, du coup, elles possèdent cette capacité, non pas. Alors là, je m'embrouille. Attendez, là c'est fort, je m'embrouille. Justement, les mitochondries d'Ève, puisque il faut oublier, hein, grosso modo, cette fille qu'on a vue, c'est pas Mélissa, enfin c'est plus Mélissa, c'est plus une humaine, elle est sous l'emprise de ses mitochondries. Et donc, la mitochondrie Ève, du coup, qui est donc le grand méchant du jeu, a la capacité, puisqu'elle a muté, puisqu'elle a évolué, d'enflammer les gens, ce qui est arrivé au public. Voilà, donc là encore une petite fille mystérieuse, un peu à la, je sais pas, soit à la Fear, ou alors il y a, je sais plus dans quel jeu on voyait aussi une hallucination comme ça en permanence. Enfin bref, c'est un classique, hein. J'en profite pour montrer la tenue de soirée de Aya. Franchement, ça au début du jeu, c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, donc pour le moment, il va falloir la poursuivre, puisqu'évidemment, elle est incriminée dans toutes ces. Dans cet accident, dans cette. Alors, c'est pas un accident, c'est. Est-ce que c'est un accident? Non, c'est un incident. Alors là, pour trouver la différence, bonne chance. Alors, pour le côté Survival Aurore, voilà. Au début, j'y ai cru. J'y ai cru parce que. Classique, porte fermée, musique d'ambiance. Franchement, j'aurais pu croire que c'était un Survival Aurore. Or, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Malgré la cinématique que l'on va voir là maintenant, je suis désolé, pour moi, c'est pas un survival horror, Parasite Eve. Il n'y a que de l'horreur au niveau des cinématiques. Là, ce que vous allez voir maintenant, c'est dégueulasse. On est d'accord, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est tout ce que vous voulez. C'est gore, c'est. Voilà. Là, on peut mettre l'étiquette survival horror. Certes. Cependant, pour moi. Je cherchais l'horreur au niveau du jeu. Oui, ça c'est charmant par contre. Oui, donc ça c'est. Alors, si vous voulez le comprendre, le comment, du pourquoi, du rat, c'est à cause d'Eve. Donc, je le répète, la jeune femme qu'on a vue précédemment et qui a enflammé le public, elle est aussi capable de transformer les animaux en espèces de monstres. Et on aurait pu penser que voilà, c'est un peu à la Resident Evil, sauf que non. Franchement, j'ai essayé de chercher dans les codes du Survival Horror et j'ai rien trouvé. Hormis le design des monstres qui, au final, peut être similaire à celui, je sais pas, qu'on peut trouver dans les FF, il n'y a rien. Je vous jure, il n'y a rien. Pourquoi? Alors là encore, c'est pas l'exemple frappant, mais je vais essayer d'avancer un peu en tout cas dans le début du jeu, pour vous montrer que. Franchement, ça n'a rien à voir avec le Survival Horror. Je vous l'explique d'ailleurs tout de suite. Hein, bon, à part éventuellement ce cadavre brûlé là, un peu dégueu, mais. Disons que dans ce jeu, il n'y a rien qui nous surprend. Les ennemis, ils apparaissent. En fait, ils apparaissent à la manière de Squaresoft, quoi. C'est-à-dire un flash lumineux. Bon, alors ça. Dark Isaé l'avait fait remarquer, parce que oui, si vous voulez voir le jeu en entier, allez voir le let's play de Dark Isaé qu'il a sûrement fait, terminé, enfin je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo. Mais regardez, là il y a soi-disant une dame qui est encore en vie. Elle a plus de peau, elle est comme ça. C'est un cadavre, quoi, ça parle pas. Je suis désolé, ça parle pas. Bon, ça c'était un peu le seul truc what the fuck que j'ai vu dans le jeu. Mais voilà. Ok, c'est peut-être gore. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est gore, pour dire que l'ambiance est malsaine, pour dire que c'est sombre, que le scénario est mature. Ouais, je suis d'accord, c'est pour ça. Mais pas de survival horror, je suis désolé. Ah non, non, je suis pas d'accord, parce que, comme je vous l'ai dit, les ennemis. Moi, je m'attendais à ce que les ennemis, je sais pas, genre, ils déboulent de nulle part. Par exemple, que là, il y a un ennemi qui vient dans cette zone pendant que je suis en train de fouiller les casiers. Remarquez d'ailleurs que les casiers ne se reflètent pas dans le miroir, ça c'est un petit détail que j'ai remarqué, assez rigolo.
Mais moi, je m'attendais à ce que, je sais pas, que ça sorte des fenêtres, un peu comme les chiens dans le premier Resident Evil. Mais non, 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 il y a un flash lumineux. Et alors, la musique du combat, je vous raconte même pas, mais... Oh, et si vous croyez encore que c'est un survival horror, mais ma parole, écoutez la musique du combat, ah, c'est quelque chose. Ah, je vous jure, c'est quelque chose. Ah, c'est collector. C'est collector. Non pas que la musique est mauvaise, mais qu'on vienne pas me dire que c'est un survival horror, par pitié. Parce que moi, cette musique, elle m'apaise, mais elle me fait pas du tout stresser, ce qui devrait être le but du survival horror en tant que tel. Bon, je vais peut-être arrêter un peu de cracher sur cet aspect-là, puisque pour moi, vu que je le considère comme un RPG, eh ben, je vais le tester comme tel, hein. Parce que si je devais le tester en tant que survival horror, ça serait zéro, quoi. J'ai pas eu peur, mais alors pas du tout. Éventuellement, une petite séquence qui craint un tout petit peu, que ça, je vous le montrerai dans la vidéo Final Boss plus Ending de ce jeu, vu que je l'ai déjà terminé une première fois et que je l'ai presque... Enfin, là, j'ai entamé la deuxième partie, puisqu'il y a une New Game Plus dans ce jeu, qui offre pas mal de possibilités, mais ça, j'en parlerai après. Attendez, si, par contre, je finis de cracher juste sur le Survival Horror, désolé. Dans Survival Horror, il y a Survival aussi. Donc, ça veut dire que soit on est en manque de munitions, soit on est en difficulté pour sauvegarder ou des trucs comme ça. En l'occurrence, là, je me disais au début qu'avec 12 munitions, ça allait être chaud pour finir le jeu. À la fin de Parasite Eve, j'en étais à 999 munitions. Donc voilà. Là, c'est bon, j'ai définitivement enterré le côté survival horror, ça c'est fait. Voilà. Par contre, chose qui est assez intéressante pour le coup sur ce titre, c'est le côté RPG. Alors, le système de combat déjà, je l'ai adoré. Je l'ai adoré parce que c'est un système dynamique qui offre pas mal de possibilités, mais la contrepartie, c'est qu'en fait, on s'en rend compte seulement lors de la New Game Plus. Parce que dans cette première partie de Parasite Eve, je suis mort, on va dire. Bon, évidemment, lors de la vidéo du Final Boss plus Ending, évidemment, puisque vous en doutez, je faillis tout le temps. Mais sinon, je n'étais mort que à cause de quelques événements, on va dire, scriptés, où il fallait s'échapper d'un endroit et trouver la bonne sortie. Et comme j'avais pas trouvé, bah du coup il y a une belle cinématique pour me dire game over. Voilà, ça c'était très très cool, c'était très sympa les mecs de chez Squaresoft, mais fallait pas se donner la peine de me faire mourir comme ça. Mais sinon, le jeu est facile. Le jeu est facile, en tout cas il est abordable. Il est abordable. Concernant la durée de vie, justement, j'ai pu compter parce que vous avez vu que quand on met pause, il y a eu un petit timer et 8 heures pour le finir. Certains vont me dire c'est peu. C'est l'équivalent des jeux qui sortent à notre époque. J'en suis tout à fait conscient. Cependant, il faut bien comprendre que ce jeu-là a été construit de sorte qu'il n'y ait aucune phase de level up. Donc pour un RPG, lorsqu'il n'y a aucune phase de level up, moi je dis alléluia parce que le level up c'est juste ce qu'il y a de plus chiant dans un RPG. Ça, je vous le garantis, c'est ce qu'il y a de plus chiant, en tout cas pour moi. Je me rappelle très bien du traumatisme que j'ai subi en faisant du level up dans Final Fantasy premier du nom. Moi, je veux pas d'un jeu qui a une durée de vie de 30-40 heures si c'est pour faire que du level up. Donc pour le coup, les 8 heures me dérangent pas. Surtout que, et c'est là où je vais réenchaîner sur le New Game Plus, justement, en jouant une deuxième fois à Parasite Eve, on se rend compte que la durée de vie est beaucoup plus grande, puisque non content de refaire l'aventure principale, on débloque aussi une nouvelle tour, donc la tour Chrysler, je crois. C'est un nouvel environnement qui nous propose pas moins de 77 étages à parcourir. Tous les 10 étages, il y a un boss, et sachant qu'au 77e étage, on a le boss final, le vrai, qui est d'une puissance monstrueuse et qui nous permet de débloquer la capacité ultime d'Eve. D'Eve. N'importe quoi. Du parasite Eve, en tout cas de Aya. Ça, c'est un gros challenge et ça, c'est plus que 8 heures, mes amis, je peux vous le garantir. Ça, c'est la patte Squaresoft qui nous dit ah, tu croyais avoir fini le jeu, mais en fait. Il faut t'investir à fond si tu veux le finir à 100%. Chose que je n'ai pas faite parce que je suis pas assez motivé pour le finir. Mais j'ai commencé la tour. Je dois en être au 20e étage.
La tour est très chiante. Parce que tous les environnements se ressemblent, c'est un putain de labyrinthe, c'est lent. Alors ouais, ça me tue aussi. C'est lent. C'est lent parce que c'est, donc comme je vous l'ai dit, c'est un labyrinthe. Mais regardez, regardez, regardez. Vous voyez là? Je marche. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est chiant qu'elle marche. Par défaut, Aya marche. Je chipote. Mais je peux vous garantir que lorsque vous avez... C'est quelle touche? C'est le bouton rond. Quand vous avez le pouce appuyé sur le bouton rond en permanence pour qu'elle court, pour qu'elle avance à une vitesse acceptable, que vous tenez comme ça pendant une heure, deux heures de jeu, je vous jure, la gueule de votre pouce, mais... Et vous allez pleurer, hein, parce que par défaut, voilà, je touche que à la croix directionnelle, là, je me déplace qu'avec la croix directionnelle. Mais c'est lent! C'est lent! Et ça sert à rien pour un... Ça sert à rien, c'est pas un survival horror, donc... Ça sert à rien du tout! Par défaut, ils auraient dû mettre la commande courir, et éventuellement, si on veut marcher, on appuie sur le rond, c'est tout. Mais pas marcher par défaut! C'est chiant! C'est naze! Et alors là, écoutez la musique en plus. C'est pas un survival horror, ça. Écoutez. Le thème est excellent. Mais la musique est douce. Ça a rien à foutre dans un... Enfin, je dis pas que ça a rien à foutre dans le jeu. Mais pourquoi les gens ont dit que c'était un survival horror? Pas possible, je suis un couard, j'ai peur de tout. J'ai jamais flippé devant ce jeu. Jamais. Bon, je m'excite peut-être sur le thème survival horror, j'en suis conscient. Mais nom de Dieu, faut arrêter avec cette appellation, sérieux. Éventuellement, voilà, je me répète sûrement, mais le côté gore, ok, pourquoi pas. Regardez, là, il y a le clown que l'on a vu tout à l'heure, et il est retrouvé calciné, ça c'est dégueulasse, on est d'accord. Mais, survival horror, voilà quoi. Ah, par contre, l'OST est énorme. Alors, en parlant de l'OST justement, j'ai adoré tous les thèmes de Parasite Eve. Excellent. Le thème d'Eve. La musique du combat. Le fight avec les boss aussi. Excellent. C'est excellent. Oula, ça rame un petit peu. Attendez, je vais juste vérifier. Ouais, c'est bon. Oui, excusez-moi, je sais pas pourquoi sur ce jeu ça ralentit de temps en temps. Oula, ça ralentit méchant. Bon, petite coupure. Voilà. C'est énorme. L'OST est énorme. Par contre, j'émets juste une petite réserve sur la musique du combat. Certes, elle est de très bonne facture. Seulement, j'en avais un peu marre de l'entendre en permanence. Parce qu'il n'y a qu'un seul thème pour le combat. On rencontre des ennemis assez souvent. Et waouh, au bout d'un moment, ça m'a juste un peu dégoûté. Alors, on va retrouver la fameuse Mélissa, donc Eve. Et on va assister à sa mutation complète. Hein, puisque là, elle avait encore forme humaine jusqu'à présent. Sachant que là, elle va emprunter des caractères un peu particuliers, vu que... Voilà, elle a des attributs non humains qui lui permettent de voler et d'avoir et de distribuer une belle gifle, hein, vu la taille de ses mains. Et ça sera l'ennemi récurrent du jeu. Alors, comme je l'avais dit, c'est rare de rencontrer son ennemi juré dès le début. Et c'est ce qui m'a intéressé dans le jeu, c'est de la poursuivre à travers tout Manhattan en menant une espèce d'enquête. Mais là encore, j'espère qu'ils n'ont pas voulu... J'espère qu'ils n'ont pas voulu mettre l'accent sur l'enquête. Parce que là aussi, c'est... Je sais pas, c'est pas une enquête, quoi. Je suis désolé. Sachant que... Bon, je vais spoiler un petit peu. Donc, ceux qui veulent vraiment pas entendre, n'écoutez pas. Mais dès le troisième jour, ben c'est fini. Il n'y a plus de commissariat. Donc, je vois pas en quoi c'est une enquête. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi que le jeu se déroulait en 6 jours. Alors... Du coup, ça a donné une indication au niveau de la durée de vie. Le CD2 ne sert que pour la fin du cinquième jour, je crois, et pour le début du sixième. Bon, c'est très court, mais bon, en même temps,
on s'en fout un peu du changement de CD. Hein. Mais voilà, ça se déroule en 6 jours. Alors, c'est une semaine qui est haletante. Moi, j'ai bien aimé ce concept. Mais, fallait pas faire croire que c'était une enquête, quoi. Ça, j'imagine qu'ils l'ont... Ouais, ils l'ont mis pour le background, c'est vrai. Mais disons que... Je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer tout en essayant de pas crever. J'espère qu'ils ont pas mis l'accent trop sur l'enquête parce que... C'est paranormal. On voit tout de suite que c'est paranormal, que c'est au-delà des forces de police. Et en mon sens, quand on s'attaque à quelque chose qui n'est pas humain, le côté la police et tout ça qui mène son enquête, je veux bien, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et justement, là, ça ne dure pas trop longtemps, donc justement, c'est pour ça que je peste pas trop. Mais après, qu'on considère que c'est un ennemi classique, que je sais pas, c'est le chef du grand banditisme ou quelque chose comme ça. Non, faut arrêter, à ce moment-là, faut justement passer à l'armée ou des trucs comme ça. Justement, le jeu le fait très bien. Je vous spoil pas, la cinématique d'intro, vous l'a déjà fait pour moi. Ça, c'est comme ça, c'est fait. Mais, voilà, faut pas s'attendre à une grosse enquête, à un truc policier. Par contre, c'est justement tiré d'un roman policier, ce jeu. Ça, je l'avais peut-être pas précisé. C'est un romancier japonais qui a fait un roman basé sur l'histoire des mitochondries comme ça. Et ça a été repris dans Parasite Eve. Donc ça, bon, évidemment, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Hein. Évidemment, j'ai potassé un peu le test, hein, comme ça. Mais non, pour le coup, ça, c'est... C'était bien amorcé, même au niveau du scénario, évidemment, c'est un peu lent. Il y a quelques lenteurs dans le sens où... Qu'est-ce qui m'a déplu au niveau du scénario? Attendez, là j'essaye de réfléchir parce que j'ai pas... Le scénario, globalement, il m'a pas déçu, mais... Ouais, disons qu'il y a peut-être le côté des mitochondries. C'était peut-être un peu relou à avaler, je dirais, le coup des mitochondries, parce que ils ont fait des explications compliquées, alors qu'au final, c'est assez simple. Pour ceux qui veulent que je résume Parasite Eve, c'est super simple. Les mitochondries d'Eve ont évolué de sorte que maintenant, elles veulent évoluer d'elles-mêmes et ne plus avoir un hôte, donc c'est-à-dire un humain, et devenir une espèce à part entière. Donc du coup, prendre le contrôle sur les humains et si possible les éliminer, ça serait bien. Mais, d'un autre côté, il y a aussi les mitochondries d'Aya qui, elles, ont évolué d'une autre manière. Plutôt dans le sens, on va protéger les êtres vivants et qui, elles, sont par contre en totale harmonie avec tout ce qui est les noyaux... des cellules humaines et trucs comme ça. Donc voilà, grosso modo, c'est le bien contre le mal. Encore une fois, c'est le schéma classique. Mais des fois, ils font des trucs assez pompeux. En plus, bon, je spoil encore un petit peu, je suis désolé, le jeu est sorti en 98. Si vous voulez vraiment le faire, arrêtez-vous tout de suite, en tout cas au niveau du scénario. Mais ils ont voulu faire une histoire compliquée avec la sœur d'Aya, qui se nomme Maya, qui, bon... Méga spoil! Attention, méga spoil! C'est le boss final qu'on trouve dans la tour Chrysler. Maya, qui est donc aussi sous le contrôle des mitochondries. Ils ont voulu faire une histoire assez complexe, comme quoi il y avait des histoires de. Je sais pas, il y a eu un accident, des greffes. Elle est allée à l'hôpital, puis Aya aussi. C'est à ce moment-là qu'elle a reçu les mitochondries. Enfin, tout ça. J'ai vraiment eu du mal à comprendre et ça m'a... Encore une fois, ça m'a pas plus intéressé que ça. Je suis désolé, mais quand quelque chose ne m'intéresse pas au niveau du scénario, j'ai vraiment du mal à m'y mettre. Hein. C'était comme avec Mirror's Edge. Bon là, encore, pour Parasite Eve, je suis sûr que si on cherche un peu au niveau du background, on peut comprendre. Hein. Par contre, pour Mirror's Edge, j'ai vraiment rien compris et j'ai même pas envie de chercher. Donc là, vous avez vu que j'ai récupéré une nouvelle arme. Sachant qu'au fur et à mesure du jeu, on va obtenir de nouvelles armes, on va pouvoir les customiser, et le système d'ailleurs de customisation est vraiment bon, hein, je vous montrerai ça, sachant qu'il est vraiment poussé à l'extrême dans la deuxième partie, donc dans la New Game Plus, puisque l'on pourra avoir des armes avec beaucoup d'effets spéciaux, hein, enfin, de capacités spéciales, plutôt, c'est-à-dire avoir des armes qui pourront... Enfin ça, je vous expliquerai ça plutôt quand on sera dans l'armurerie, hein. Ça sera beaucoup plus simple.
Et là, vous avez vu, on a passé encore un level. Alors, je vous explique tout de suite le truc qui est assez dingue. C'est que dans ce jeu, on fait que gagner des levels. En permanence. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on a commencé le jeu, on était niveau 1. On en est déjà à... Bon, jeu traînasse, hein, donc en même temps... Ouais, 23 minutes de jeu. Putain, 23 minutes de test. Ouh, 23 minutes de jeu, déjà niveau 4. Et ça va augmenter. Encore, encore, encore. On fait que augmenter de level, c'est un truc de fou furieux. Ah, là, c'est... C'est pour ça que je vous dis que le level up, il n'y en a pas besoin. On gagne tout le temps de level, on monte tout le temps de level. Quasiment tous les deux combats, on monte de level, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. On peut aussi observer le fait qu'il y a beaucoup de coffres qui se trouvent disséminés par-ci par-là. Ces coffres nous offrant, soit de la vie, donc sous forme de potions, soit des items carrément qui nous ressuscitent si jamais on tombe au combat, un peu comme les queues de phénix, mais à usage automatique. Ça, c'est très pratique, même si ça casse encore une fois le côté survival horror. Hein. Ah oui, il y a aussi un inventaire limité, donc je vais déposer ça, allez hop. Oh, d'accord, je dépose un médicament pour en récupérer un autre. Bien joué! Bien joué, bien joué. Oui, justement, alors, tiens, je vais vous parler un peu du menu. Hein, comme ça, c'est fait. Alors, dans le menu, donc, on peut utiliser un objet classique. Hein. Utiliser la parasite Eve, donc du coup, en dehors des combats, on peut se soigner avec cette fameuse barre qui se régène automatiquement pendant le combat. Donc du coup, ce qui rend les médicaments totalement inutiles, ou en tout cas, qui amoindrit leur utilisation. Changer d'arme, on peut passer donc d'une arme à feu. Alors, au niveau des armes à feu, on a les pistolets, les lance-grenades et les fusils. On a aussi un autre joujou à la fin du jeu, mais bon... Je vous montrerai dans le Final Boss Plus Ending. On a aussi une matraque dont on ne peut pas se débarrasser, puisque si jamais on venait à être à court de munitions, LOL. Bon, à part peut-être dans la deuxième partie, mais sinon, elle nous servira à attaquer au corps à corps. Et justement, donc ça, je garde les... Pareil pour les armures, hein. Je garde armure lorsqu'on sera dans l'armurerie. Régler les préférences, on peut aussi... Bon, stéréo, on peut personnaliser la couleur de la fenêtre, blablabla. Classique, et ranger ses objets, c'est tout. Dis donc, y a pas les points bonus là. Ah, pas encore. Oh bah, nom de Dieu. Bon bah, du coup, je vous montrerai ça lorsqu'on sera dans l'armurerie. Par contre, je vais pas prendre les objets de façon, je suis full. Et je m'en fous, c'est pas ma partie officielle. On va avancer un peu. Et lorsqu'on sera à l'armurerie, je vous montrerai le système de customisation des armes, car il est vraiment... Moi, je trouve qu'il est pointu. Le seul problème, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il faut vraiment attendre la New Game Plus pour en profiter pleinement. Problème, oui et non, vu que la durée de vie du jeu dans une première partie, il est de 8 heures. Donc, franchement, c'est acceptable, quoi. Alors, vous avez noté que depuis le début, j'affronte des animaux. Oubliez les zombies ou autres ennemis humains dans Parasite Eve 1. En tout cas, peut-être pas dans le 2, parce que dans le 2, j'ai pas encore joué, je compte le faire. J'ai vu la cinématique d'intro, j'ai vu un humain se transformer, donc je ne dirai rien à ce sujet-là, hein, je me prononcerai pas. Mais dans le 1, on affrontera exclusivement des animaux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des animaux qui, oui, bien sûr, ont vu leur mutation s'activer. Dû à la présence d'Eve dans les environs. Voilà, c'est à cause d'Eve que les gens s'enflamment, et c'est à cause d'Eve que les animaux se transforment. Et qui, bien sûr, deviennent offensifs, hein, évidemment. Bon, je vais en profiter du prochain combat pour vous montrer, pour vous expliquer encore un tout petit peu plus sur le système de combat. Allez, je sais ce que je vais faire. On va passer juste à un boss. Donc le boss juste après la présentation de... Le petit speech de Eve. Et puis ensuite, je charge une autre partie et on se retrouve un peu plus loin dans l'aventure. Parce que là, je crois que j'ai dit à peu près mon ressenti sur Parasite Eve. J'irai conclure avec une partie un peu plus avancée pour vous expliquer plus en profondeur. Quitte à expliquer des termes un peu plus techniques. En tout cas, au niveau de la réalisation 3D des cinématiques, ça, c'est un truc de fou. Enfin, je trouve que les cinématiques sont très propres. Je trouve que les cinématiques mettent bien dans l'ambiance. Et justement, tiens, en parlant d'ambiance, vous avez remarqué que depuis le début, on est seul.
Oui, on est seul, on n'aura jamais un seul personnage qui nous accompagnera. On jouera toujours avec Aya. Alors, il y a bien sûr des personnages qui seront alliés avec notre héroïne. Le seul truc, c'est qu'ils viendront jamais nous accompagner au combat, puisque le prétexte pour qu'on soit seul, j'espère que c'est pas pour renforcer le côté survival horror, sinon c'est naze, mais le prétexte pour que l'on combatte seul, c'est le fait que si jamais les gens s'approchent d'Eve, et bien du coup ils se mettent à s'enflammer, et comme Aya ne veut pas que ses collègues deviennent des bouts de charbon ou je sais pas quoi, et bah du coup elle combat seule. Voilà, ça c'était pour la petite explication, mais niveau immersion, il n'y a pas beaucoup de personnages. Je dirais qu'au niveau des personnages principaux, il y en a 1, 2, 3, en plus d'Aya, donc 4. Il n'y en a pas beaucoup, mais le background est, je dirais pas super développé, mais on s'attache à ces personnages. Ils ont du charisme. Et pour le coup, ça, c'est une réussite. Et je suis content d'avoir des personnages qui ont du charisme, pour qui on éprouve quelque chose, plutôt que des personnages qui sont insipides. Voilà, ça je préfère largement. En plus, ils sont. Je suis mort. Non, je suis pas mort. Heureusement, j'avais un truc de vie. Oh putain, il fait mal, ce boss de merde. Oui, parce que du coup, je parle, je me concentre pas trop sur l'action. C'est pour ça que ça traîne un peu. On va peut-être se soigner. Ah, voilà. Et du coup, en plus, oui, les personnages sont assez différents dans le sens où. Il y a. En fait, c'est bien simple, il y a toutes les cultures. Sans forcément spoiler, puisque vous allez le voir dans la deuxième partie. Il y a le japonais, il y a le black de service, il y a aussi le môme insupportable. Enfin, c'est énorme, il y a tout, c'est best-of. Et ça, c'est good. Par contre, je sais pas, je vais juste profiter du système de combat pour vous expliquer. Enfin, je vais juste profiter de ce combat pour vous expliquer encore 2-3 trucs. Attention, 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 on va l'esquiver par derrière, attention, coup de queue, aïe, 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 je me le suis pris, c'est pas grave. Donc là, à savoir que par exemple ici, pour certains ennemis, il y aura deux cibles, sachant que par exemple je peux décider de tirer une seule balle pour cette partie du corps, et enfin soit je décide de tirer une seule balle pour cette partie, soit je tire deux balles pour toutes les autres parties. Bon là je vais mourir évidemment, enfin je crois. Mieux que je prenne un médoc. En sachant que plus l'arme peut tirer de coups. Oh, putain, mais tu te calmes, espèce d'enfoiré. Oh, il va me tuer, de toute façon, il va me tuer, je suis pas concentré. Voilà, c'est pas grave, je suis mort. En sachant que plus l'arme a de munitions. Enfin, peut tirer deux coups d'affilée et plus l'attaque sera amoindrie. Voilà. Bon, c'est pas grave pour le game over, on s'en fiche complètement. Je vous retrouve pour une partie un peu plus avancée et pour vous montrer un autre environnement du jeu. A tout de suite. On se retrouve au commissariat. Alors bon, je vous avais dit que je mourrais jamais. Faut bien prendre en compte qu'il y a la malédiction du direct, hein, donc forcément. Puis en plus, j'étais concentré sur ce que je disais, je ne faisais pas trop attention, voilà. C'est pour ça. Chut, chut. Il n'y a pas du tout d'incompétence dans cette vidéo. Alors. Bon, je vous explique pas pourquoi tout est éclaté. Seulement, écoutez un peu. C'est le petit détail, mais qui fait que c'est un jeu de bonne facture. On marche sur les débris, on entend le bruitage adéquat. Pareil, on marche dans la neige, on entend les bruits de pas dans la neige. Truc de fou. Mais truc de fou. Là, au niveau des bruitages, c'est excellent. C'est excellent. Et comme promis, je vais vous expliquer un peu plus la customisation des armes. Et oui. Alors, oui. Bouh! Aya n'a plus sa tenue. Bouh, elle est en jean survêt. Oui, mais il faut savoir que cette tenue est devenue classique, hein, puisqu'on la retrouve dans Parasite Eve 2 et aussi dans le troisième opus qui est considéré comme un spin-off, The Third Birthday, sur PSP. Où on incarne aussi la jeune Aya. Voilà. Alors attention, ça va spoiler un petit peu pour ceux qui comptent faire le jeu. Bon, en même temps, c'est pas. Bon, quoique je vais vite passer tout ça. Ici, on peut stocker nos équipements. On peut stocker nos équipements et nos objets vu que la place est limitée. Mais aussi, et attention,
il y a le système des cartes rares. Cartes rares, ça, on ne le voit pas dans la première partie. Cependant, dans la deuxième partie, lorsqu'on visite la fameuse tour, hein, la tour Chrysler, eh bien, on trouvera des cartes qui nous permettront d'avoir accès aux armes ultimes. Voilà, ça c'est pour la petite explication pour ceux qui se posaient la question. Ensuite, concernant la customisation des armes, alors, je vais vérifier si j'ai une caisse à outils. Oui, merveilleux, j'en ai deux. Bah, parfait, je vais pouvoir vous montrer avec. Allez, on va commencer avec une armure. Imaginons, j'ai mon gilet. Actuellement, là, j'ai voilà, ce gilet. 31 de défense, résistance contre l'énergie, donc 35. Ah, moi, c'est pas Parasite F, c'est Parasite Énergie. Ah, sûrement. Ou Power Énergie. Ouais, dommage, Parasite F, ça le faisait bien. Enfin, bref. Les critiques. Donc voilà, ça c'est merveilleux. Mais j'ai deux armures. De ce fait, je ne peux en porter qu'une seule. Celle-ci est moindre, hein, en termes de caractéristiques. Donc qu'est-ce que je fais? Je la jette? On va pas la jeter. On va prendre celle que je porte actuellement, la plus puissante. Hop, ça c'est fait. On va prendre l'autre, qui ne me sert à rien. Et avant de la jeter, de la détruire, de l'incinérer, de la brûler, de tout ce que vous voulez, on va prendre ses caractéristiques. Et là, vous voyez que si je détruis l'armure qui ne me sert à rien, je vais obtenir plus 5 en défense, plus 5 en résistance d'énergie et plus 1 en critical. De ce fait, je vais passer à une armure beaucoup plus puissante avec le gilet C2. Donc, vous voyez, il était à 31, maintenant il est à 36 de défense. Ça, c'est le premier principe. Ensuite, une autre variante, ça peut aussi marcher avec les armures, mais là, je vais le faire avec une arme. En imaginant que voilà, j'ai mon M11 dont je suis équipé, j'en suis très content. Le seul problème, c'est qu'il tire, comme vous pouvez le voir juste en dessous de Bullets. Alors, bon, ça aussi, il faut que je précise, l'attaque, c'est la puissance de l'arme de feu. Range, c'est la portée d'attaque. Et Bullets, c'est le nombre de munitions que l'on peut mettre dedans sans recharger. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est un flingue qui tire 5 coups d'affilée. Et à côté, il y a la caractéristique tir aléatoire. Bon. Sachant que je veux personnaliser cette arme et je veux justement qu'elle tire seulement deux balles, mais ces deux balles seront plus puissantes. Parce que forcément, si on tire 5 balles, le temps qu'on finisse de vider notre chargeur, on sera immobile et forcément les ennemis vont nous attaquer. Et bien qu'est-ce que je fais? Je sélectionne justement ce M16 qui ne me sert plus à rien. Je vais prendre sa caractéristique. Et du coup, je vais la remplacer. Et du coup, mon arme, le M11, tire maintenant 2 balles. Voilà, sachant que certaines armes, du coup, peuvent en théorie nous servir à que dalle. Mais au final, elles se révèlent utiles pour créer notre propre arme personnalisée. Voilà pour l'explication. Sachant qu'on peut toujours rajouter des slots, c'est-à-dire des espaces pour accueillir justement ces capacités spéciales pour les flingues. Mais ça, c'est seulement disponible avec des autorisations qu'on n'en trouve pas beaucoup dans le jeu. Ou alors, le mieux, c'est d'aller dans la tour Chrysler pour trouver les meilleurs équipements. Et ainsi, mieux finir le jeu. Hein. Voilà. Par contre, là, je sais plus à quel jour on en est. Je sais plus où je dois aller. J'aurais bien voulu montrer un combat juste pour vous montrer quelque chose d'assez lourd. Alors attendez, je vais juste voir où on en est. Par la même occasion, je vous présente la world map. Bon, là, c'est moche, mais au moins elle est fonctionnelle. Bah, du coup, je dois aller là. Voilà. Par contre, Central Park, c'est pas à New York, ça. Dans mon Final Boss plus Ending, j'ai complètement confondu New York et Manhattan parce que je me suis dit, mais nom de Dieu, c'est. Enfin. Attendez, truc de fou, attendez, attendez, truc de fou, je crois avoir vu la réponse à mes interrogations. Attendez, qu'est-ce que c'est que ces conneries? NYPD, mais ça c'est à New York ça! À moins que ça se déroule dans les deux villes. Je vois que ça comme explication. Ça se déroule dans les deux villes. Enfin bref, là il me faut un petit combat pour conclure mon test. Alors, où est-ce que je devais aller? Peut-être que en ayant cette sauvegarde là, j'ai pris une sauvegarde au hasard parce que grosso modo le rythme, le déroulement de l'histoire est tellement, enfin je dirais pas super prévisible parce qu'il y a quand même des rebondissements, mais voilà, grosso modo on sait quand même ce qu'il faut faire. Enfin on sait quand même ce qui va se passer vu qu'il n'y a pas de survival horror, c'est pas.
voilà, en vous montrant des environnements du jeu, je vous spoile rien au niveau scénaristique. De toute façon, vous savez bien que le but est d'arrêter Eve et puis basta. Je vais juste aller voir mes collègues pour me souvenir de la mission, en espérant qu'ils soient là. Le jour 4, qu'est-ce qu'il y avait à faire le jour 4? Ah oui, fallait que j'aille au musée. Ah oui, bon. Ah bah tiens, d'ailleurs, ça me permet de vous expliquer que grosso modo, dans ce jeu, il y a 50% de combat, 50% de blabla. Voilà, au moins ça c'est bien équilibré. Les cinématiques sont nombreuses, hein. Elles arrivent à intervalles réguliers, donc c'est-à-dire que c'est pas genre 75% des cinématiques au début du jeu, puis après plus rien pendant jusqu'à la fin. Non, non, c'est bien équilibré, c'est parfait, quoi, c'est parfait. Bah, du coup, je suis au mauvais endroit, faut que je sorte pour aller... Pour aller au musée. En parlant des personnages, eh bien, il y a le collègue d'Aya qui se nomme Daniel, donc c'est le black de service, et qui est du genre un peu à foncer tête baissée et à frapper tout le monde. Et, bon, c'est pas un cliché, hein, c'est juste que voilà, il fait partie de la police après tout. Écoutez le bruit de la neige. Oh là là, énorme. Il y a le japonais Maeda qui, lui, c'est le scientifique de l'histoire, et il y a aussi le fils de Daniel, dont je ne me souviens plus le nom, Ben, je crois, mais qui, lui, il est super chiant. Et alors, c'est pas ici qu'il faut aller? Ah, putain, ok, je suis complètement... Allez, je vous jure, je suis perdu. Je suis perdu parce que je... Oui, bon, c'est pas grave. Pas de panique. Pas de panique, je sais où il faut aller. En fait, je cherchais le japonais, je croyais que c'était ici. Mais en fait, c'était un peu plus tard dans l'aventure. En fait, il faut rester dans le commissariat, c'est pas bien grave. Comme ça, je vous aurais montré le musée. Hein. Tant mieux. Le mec qui essaye de se rattraper. Oh non ! Et hop. Graphiquement, tiens, je vais pas parler des graphismes. Eh bien, écoutez, c'est pixelisé, mais c'est de la PlayStation. Les persos, je trouve qu'ils sont bien faits. Les décors aussi. Juste, voilà. Ah, putain, qu'est-ce que j'ai pesté contre ça, d'ailleurs ? L'interactivité. Grosso modo, pendant tout le jeu, j'ai longé les murs pour savoir avec quoi je pouvais interagir. Non, non, je plaisante pas. J'ai longé les murs parce qu'il y a certains endroits où on peut rester bloqué uniquement parce qu'on n'a pas trouvé le bon bouton avec lequel interagir. Il n'y a rien qui différencie les éléments du décor avec les éléments importants. Et ça, pff, putain, ça m'a gonflé, hein. Et je vous jure, ça m'a gonflé. Autre chose qui m'a vraiment saoulé, c'est... Alors, au niveau du combat, il faudra que je vous montre aussi un petit combat avant d'arrêter. Non, c'est pas ici. C'est que les environnements sont labyrinthiques, notamment le musée. Oh, nom de Dieu, j'ai passé une heure dans ce putain de musée. Je vous jure, limite, je trouvais même pas le boss, quoi. Je vous jure, je suis parti, j'ai même pas trouvé le boss tellement le musée était grand. C'était un truc de psychopathe. Mais alors, le pompon, et ça, c'est... Quand j'ai vu ça, c'est assez ahurissant, quand même. C'est que j'ai dû me faire un gros aller-retour uniquement parce que j'avais loupé un petit élément pourtant crucial qui brillait mais à peine je le voyais pas. Il fallait que je me mette en plein écran pour le voir. Et les ennemis qui après repop en permanence. Oh là là. Voilà, pour ce jeu en général, il faut y jouer à petite dose parce que sinon c'est un peu relou. Donc je vous présente Maeda, hein, le japonais de service. Et c'est assez marrant parce que du coup ils ont... Squaresoft, c'est japonais, mais ils ont inclus un japonais aux États-Unis, forcément. Oh, et puis, personnellement, il a beaucoup. Enfin, je dirais pas qu'il a beaucoup de charisme, mais il est attachant. Et par la même occasion, on présente aussi Daniel. Sachant que Ben. Oh, de toute façon, je l'ai dit dans le Final Boss Plus Ending, donc c'est pas grave si on le voit pas. Mais Ben, il a une de ses allures. Oh là 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 là. Le mec, on dirait qu'il est en pyjama, quoi. Ou alors en peignoir. Alors que pourtant, il est en survêt. Mais c'est mal fait. Oh là 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 là, c'est mal fait. Oh. Ah, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Nom de Dieu! Bon, pour le coup, faudrait que je tombe sur un combat. Le problème, c'est que c'est ça. Soit dans Parasite Eve, on mène l'enquête. Enfin, l'enquête. On essaye d'en apprendre un peu plus sur Eve. Soit c'est que du combat où on sera seul. Et on verra pas du tout les deux zigotos qui sont en train de discuter, là. Bon, personnellement, ça m'a pas dérangé. Il y en a certains que je connais, ça va les saouler. Bon, voilà. Moi, personnellement... Moi, je vous le dis, Parasite Eve, je vais rapidement conclure, hein, avant de passer à la dernière précision au niveau du combat. Parasite Eve, pour moi, j'ai aimé. J'ai aimé ce jeu, je ne l'ai pas adoré,
mais je l'ai suffisamment aimé pour avoir envie de jouer aux deux. Les musiques sont excellentes, l'histoire est intéressante, moi j'ai envie de savoir ce qui arrive à Aya dans le deuxième opus. Cependant, il a, mais oh mon Dieu, j'ai mis une réserve de fou furieux. Je suis désolé, mais c'est quand j'entends. Ah putain, ah c'est la scène de l'hôpital, énorme. C'est quand je vois qu'en fait. Comment dire? Pour moi, c'est un bon jeu. C'est pas un excellent jeu. C'est un bon jeu, pourquoi? Parce que. Il y a du potentiel, voilà, c'est ça. Le jeu a du potentiel, mais il n'est pas exploité à fond. Et c'est ça que je regrette un petit peu. Pour moi, c'est juste un bon jeu, voilà. Mais je me dis qu'ils auraient pu pousser le vice un peu plus loin. Et c'est pour ça que j'attends Parasite Eve 2, du coup. Mais sachant que, et à la base, si j'avais pas commencé la tour Chrysler et que si je m'étais pas rendu compte à quel point le jeu avait une replay value de fou furieux, je vous jure, si je m'étais seulement contenté de la fin du jeu, mon avis aurait été un peu plus négatif. Hein. Mais là, pour le coup, disons que je le porte quand même dans mon cœur, hein, ce Parasite Eve, malgré le fait que je le découvre seulement en 2012. Et j'espère pour vous que vous ne le découvrez pas seulement en 2012. Et si c'est le cas, eh bien allez y jouer, parce que pour moi, forcément, je vous le recommande. Hein, c'est un bon jeu. Mais voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Pas grand-chose. On va se diriger vers l'hôpital, qui va centraliser, disons, tous les défauts que je voulais vous citer pour la fin de la vidéo. Alors, c'est un peu con de se quitter sur des défauts, mais bah, il faut bien quand même, il faut bien. Alors, premièrement, le système de combat est bien. Cependant, j'y mets une réserve dans le sens où j'ai souvent pété un câble, car les attaques de certains ennemis sont inesquivables. Pourquoi? Parce que déjà, Eden, vous l'avez vu, Aya se déplace à 2 à l'heure, mais aussi parce que les développeurs sont des vicelards et qui nous enferment dans des environnements clos, comme l'hôpital, où on va des fois se battre dans des couloirs, où il va y avoir des fois deux ennemis, par exemple, sachant qu'en plus, je vous raconte même pas dans la New Game Plus, sachant qu'il y a plus d'ennemis qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus résistants. Comment dire? Comment exprimer ma frustration? Bien, je dirais très grande. Ouais, très très grande. Tiens, au fait, j'en ai pas profité pour vous montrer que pour sauvegarder sa partie, on utilise ces téléphones qui nous permettent d'appeler le commissariat pour enregistrer notre enquête. Il me reste plus qu'à vous montrer un combat et puis je pense que ce sera bon pour le test de Parasite Eve. Je ferai le 2 et je vous en ferai aussi sa présentation pour voir si les choses ont changé. À noter aussi, ah oui, il y a peut-être un petit truc qui m'a un peu déçu avec toutes les cinématiques du jeu. C'est waouh. La rigidité des persos. Les mouvements sont assez rigides. Ils se répètent assez souvent quand même, notamment avec Daniel et Maïda. Waouh. C'est. Je sais pas, il y en a pour qui c'est. Comment dire? Il y en a pour qui ça peut déranger un maximum. Moi, ça m'a juste. Ouais, je l'ai juste remarqué, voilà. Je l'ai remarqué et. Bon, disons que c'était pas spécialement gênant non plus, mais voilà, en 98 quand même. D'ailleurs, il y avait quoi comme jeu qui était sorti? Ah ben, il y avait aussi Resident Evil pour de vrai qui était sorti à cette époque-là. Ah ouais. Ben oui, il était déjà sorti, donc l'inspiration. Ouais, donc pour le coup, ils auraient pu. Voilà, bon, pour le côté Survival Horror, j'espère qu'il y en aura un peu plus dans le 2. Vite, un petit combat, un petit combat, un petit combat. Alors, du coup, faut que je sorte. Est-ce que je peux sortir là? Comment je fais déjà pour sortir? Ah oui, voilà. C'est exactement ce dont je parlais, l'interactivité pour savoir avec quoi on peut interagir ici, c'est assez chaud. Donc là, bon, bah, ça c'est dans les événements de l'histoire, hein, je vais pas prétendre plus que. Enfin, je vais pas vous expliquer plus que ça. Mais sachez que voilà, là, pour le coup, ça aurait pu être le côté Survival Horror, mais sauf que. Pff, voilà, c'est le côté RPG qui fait que ça fait absolument pas peur. Hein. Et du coup, la durée de vie, ouais, elle est correcte pour un survival horror, mais comme ça fait pas peur, bah pour le coup, ça peut gêner les rôlistes purs et durs. Hein. Un petit combat, puis si possible, montrer une interaction qui déconne. Pourquoi pas. Là, par exemple, pour rentrer dans cette porte, c'était chaud. Il fallait le savoir, là, normalement, il y a un combat, enfin, j'espère, non, des munitions.
Ah voilà, ça c'est exactement le genre de petit item qui brille et qui est assez dur à trouver et qui peut nous faire tourner en rond pendant plusieurs moments. Mais voilà, le truc c'est que là il y a de l'exploration dans le noir et tout ça, mais putain, si les ennemis ils apparaissaient pas avec un flash, qu'ils étaient déjà présents dans la pièce, qu'ils se cachaient, un truc comme ça, et que ça serait un peu moins effectivement du combat au tour par tour, dans ce cas-là ça serait énorme. Mais malheureusement c'est pas le cas. Non, je vais pas aller là, je sais très bien ce qu'il y a ici. Salle d'autopsie fermée. Ah oh, putain, il me faut un combat. Pourtant il y en a des combats, hein, mais là je suis juste tombé sur la mauvaise sauvegarde. Évidemment, hein. Évidemment, sinon ça serait pas drôle. Oui là normalement il y en a un. Voilà. Encore que ici l'endroit est suffisamment grand, hein. Mais alors nom de Dieu, voilà, imaginez ce combat dans un couloir. Alors ça serait juste pas possible. Qu'est-ce que j'ai comme parasite énergie? On va faire le tir d'énergie pour virer cette espèce de grosse mouche. Voilà, en montant de level, on gagnera de nouvelles habilités, hein. Il n'y a que celle-ci, handicap au point de. Ah oui, il y a aussi les altérations d'état. Bon, ça c'est classique à tout RPG, hein, c'est pour ça que je ne voulais pas montrer. Je suis équipé de quel flingue là qui me fait tirer au hasard? Ah oui, mais c'est le. Oui, je vois lequel c'est. Putain, je vais encore crever pour mon combat, c'est incroyable. Ah oh non, vite, vite, il faut que je vous montre quelque chose. Pour ce fait, il faut pas que je perde. Oui, parce que ça, je voulais vous le montrer dans l'armurerie, j'ai complètement oublié. C'est les points bonus. À chaque fin de combat, on gagne des points bonus. Ça marche par tranche de 100, pardon. Lorsqu'on a 100 points bonus, on peut. Bah là, par exemple, j'en ai 100. Alors, je peux soit augmenter la vitesse de la barre ATB, de l'Active Time, soit augmenter ma capacité à porter des objets. Donc, par exemple, ici, je pourrais porter 23 objets au lieu de 22. Ou alors tout simplement augmenter la puissance, enfin l'une des caractéristiques de mes armes. Voilà, ça c'est pour la petite info. Bon, je vais augmenter ça. Et puis voilà. Bon, ben, je pense en avoir fait le tour de ce parasite Eve. En attendant, bah écoutez, je vous laisse quelques images encore. Ouais, allez, je vous laisse encore quelques moments de gameplay. Et puis, bah moi j'ai tout dit sur ce jeu. Franchement, je l'ai bien aimé. Je vais me faire de ce pas le deuxième et vous faire la présentation dès que je l'aurai bien fini. D'ici là, portez-vous bien et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.